Wesh l'équipe, ça dit quoi aujourd'hui? Moi personnellement ça va tranquille les frères. Aujourd'hui vous vous apprêtez à regarder une journée dans la vie du SKRT. Alors attention, attachez vos ceintures gazeuses les amis, parce que ça va être compliqué de me suivre. 24 heures dans la vie du SKRT, toi-même tu sais, ça va péter mon gars. Intro maestro. Et voilà, on commence une bonne journée aujourd'hui. Putain mon vieux, non, comme d'habitude, moi le matin je me réveille, je suis gazé de la veille les frères. Non, plus sérieusement, attendez, je vais vous poser pour vous expliquer tout ça. Le meilleur, je sais pas, c'est de garder genre 2 heures avant de se coucher sans bédave, tu vois, pour être à jeun et tout. Enfin, c'est le mieux en vrai. Pour que justement, tu vois, déjà je passe une bonne nuit pour mon corps et tout. Et en plus, le matin, je me réveille pas forcément en mode dans le gaz et tout. Et du coup, moi j'ai un petit problème encore, c'est que j'ai du mal le soir en fait j'aime vraiment ça tu vois. Le plus important c'est de le savoir et de travailler dessus les amis. Bon enfin bref, sinon qu'est-ce que ça dit quoi aujourd'hui là? D'ailleurs je vous ai même pas dit quelle heure il était tu vois, parce que là c'est le réveil et tout. Quelle heure à peu près monsieur se réveille? Bah là du coup ça va, ce matin j'ai pas trop gambergé frérot, je me suis réveillé à 10h30. Voilà, faut savoir que en ce moment je travaille pas et que du coup je suis dans un rythme totalement à travailler sur YouTube, dans le contenu, tout ça. Bon sinon moi d'habitude en vrai là tu vois je suis en train de guetter. Il fait pas forcément beau. Moi d'habitude ce que je fais, tu vois, souvent je fais des trucs dehors la journée ou quoi. Enfin genre si j'ai vraiment rien à faire, tu vois, j'essaye toujours de trouver un petit truc et de sortir quoi, au moins tu vois. Putain, et je suis en train de penser par contre, c'est un truc que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais aller acheter des livres tout simplement. Vous allez me dire pourquoi faire. Alors c'est tout simplement que je me suis intéressé un peu à Charles Baudelaire, tout ça, qu'est-ce qu'il avait sorti par rapport au club des hachichiens et tout. Pour ceux qui savent pas, à l'époque voilà, comme quoi le hachich était déjà étudié par des scientifiques, tout ça. Et donc moi perso ça m'intéresse de fou de savoir comment ça se passait à l'époque, comment ils pouvaient fonctionner. En vrai, dans tous les cas, je vais pas vous casser les couilles avec ça parce que je sais que la plupart ils sont pas là pour me voir lire un livre. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr les frères, c'est que moi je commence pas ma journée en m'allumant un tarpé, non non non. Et d'ailleurs les amis, je vous encourage à tous faire de même, parce que franchement c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Enfin clairement tu vois, je me sens beaucoup mieux à être comme as, à commencer à faire les trucs de ma journée et tout, plutôt de commencer à m'allumer directement et de phaser devant la télé ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Eh mais les frères, je suis en train de penser, il y a un truc que je vous ai pas parlé. Avec les frérots, on a tout simplement décidé de lancer un compte Instagram qui plus tard partira un peu plus loin, bien sûr, ce n'est qu'un projet pour l'instant. Les gens d'Instagram le savent déjà, c'est tout simplement Gaz Nation les amis. Et pour ceux qui savent pas du coup, et bah dessus on a déjà posté pas mal de réels les amis, pas mal de contenu. C'est du contenu qui ressemble un peu plus à ce qui se passe sur Instagram, TikTok, tout ça, mais tout en gardant les codes du canal, tout ça, donc c'est plus intéressant, ça permet de faire plus de trucs que vidéos longues ou ce genre de trucs, tu vois. Pour tous ceux qui sont intéressés, bien sûr, hein, pour du contenu cannabique, de toute façon, tous les frères qui sont pas encore sur Insta, les gars, vous ratez tellement de choses, les gars. Juste pour ma part, il y a en balle de contenu sur Instagram, je sais que les frérots en font aussi, avec Gaz Nation, on en propose en masse, enfin bref, tous ceux qui veulent du gaz, les frères, il y en a, il y a ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Bon, alors sinon, on parle, mais en vérité, je vous ai pas vraiment dit qu'est-ce que je faisais vraiment dans ma journée. Enfin, c'est quoi un peu une journée type du SKRT, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, bah les gars, ça commence souvent à peu près à cette heure-là, tu vois, 10, 11, 12 heures, hein, si jamais j'ai vraiment eu une nuit un peu agitée. Là, en gros, ce que je fais le matin en me réveillant, les premiers trucs, bon, de base, ce que j'ai pas fait, je vous ai pas montré à la cam, mais je me suis fait un petit déj, les frères, hein, quand même. Ça, c'est très important, il y en a qui le font pas, mais toujours bien manger avant. Et je me suis tapé une clémentine, frérot. Pris un petit bol avec des petits pancakes pépites chocolat, mon frère. Oh là 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 là, mais putain, c'est une dinguerie, les frères. Tout simplement, manger. Il y a tout ça à manger pour nous, les frères. Pourquoi vous vous niquez la santé à vous gazer dès le matin, à pas manger et tout, alors qu'on a ce genre de bail, putain de merde. En gros, moi, le matin, bah, ce que je fais, tout simplement, je me renseigne un peu sur ce qui se passe sur les réseaux. En vrai, c'est pas trop calculé, en mode, c'est une tâche à faire, mais voilà, quoi, de moi-même, bah, je vais sur Insta, tout ça, je vois ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la nuit, ce qui s'est passé hier. Toi-même, tu
tu sais de toute façon. Voilà, après une fois que j'ai fait mon petit tour tout ça, et bah j'aime bien aller souvent soit sur le PC, soit je reste un peu sur le Bigo ou quoi. Par rapport à ce qu'on peut faire comme contenu en plus, tu vois ce que je veux dire, en mode directement se lancer, on va taffer, tu vois ce que je veux dire. Si tu te mets pas toi-même les limites en mode ouais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça quand même, enfin en le sachant tu vois, bah dans tous les cas tu feras rien, tu resteras phasé sur ton Bigo, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça il faut un peu se donner des, tu vois ce que je veux dire, on se motive un peu les frères et on va tout niquer dans ce monde, tu vois ce que je veux dire. Juste c'est ça, il faut se dire on va tout niquer frérot, on n'est pas con putain de merde, donc viens on fait les vrais trucs, on fait des choses. Voilà, c'est pour ça là ce matin, l'exemple d'aujourd'hui, j'étais en train de penser à une vidéo où je vais tout simplement en mode vlog comme je suis actuellement chercher des boissons exotiques les frères, parce que ça il y en a tellement qui me demandent où est-ce que tu chopes ci, où est-ce que tu chopes ça, alors que en vrai c'est pas forcément sur internet, on peut aussi en trouver en magasin. Je vous montre où est-ce que ça se passe, comme quoi on peut s'exotismer la gueule en pleine campagne, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez cette vidéo sur l'exotisme les frères, ça peut être plutôt cool. Bon ok, là les frères, il est midi 5 et je vais tout simplement aller prendre ma douche parce que j'ai fait mon petit tour sur internet, j'ai vu que les livres que je voulais choper n'étaient pas disponibles dans la Fnac à côté de chez WAM, donc je vais aller me faire foutre. Et d'ailleurs je suis en train de penser, il me semble qu'aujourd'hui je reçois un colis, donc on a peut-être un unboxing d'ailleurs à faire ensemble, ça c'est plutôt sympa, tu vois, il y a des petits trucs qui se ramènent en plus. Petites surprises sont dissimulées durant toute cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la suite les frères. Bon sinon moi je vais aller prendre ma douche. Oh là, ça va tourner un film d'horreur aujourd'hui, 24h dans la peau du SKRT, ça va sacrifier une chèvre cet après-midi, donc voilà. Bon, il y aura peut-être pas le passage de la chèvre dans cette vidéo, ce sera peut-être un bonus à part. Non, je déconne les frères, hey YouTube, parce que je les vois déjà, ils commencent, ils m'ont retiré la monétisation, il y a moyen, ils ont déjà passé la vidéo en limite d'âge à cause de cette foutue chèvre. Aucune chèvre n'a été maltraitée durant ce tournage, vous inquiétez pas les frères. Bon allez, moi je vais à ma douche là, parce que je fais des conneries. Ok, il est dit, bon, moi je viens totalement de finir de sortir de cette douche, il est à peu près midi 50. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas pris 30 minutes dans la douche les frères, juste j'étais sur mon bigot et tout, enfin bref, un peu de... On se perd tout simplement. Donc là actuellement il est midi 13h tu vois, et pour tous ceux qui travaillent, qui ont des cours, tout ça, et bah c'est un peu le moment où tu te poses, tu vas sur ton bigot, TikTok, ce genre de truc. Donc qu'est-ce qu'on va faire à cette heure-là les amis? On va tout simplement poster du contenu. Actuellement je suis sur le compte SKRT Propaganda sur TikTok, parce que bah mon compte principal il est ban. Toujours je me fais ban sur tous les trucs, donc voilà, maintenant ça y est, je vais me créer de base deux comptes directement sur les plateformes, tu vois, ça ira plus vite. Voilà, là du coup dans ces TikTok là ce qui se passe tout simplement c'est que je reposte des extraits de mes vidéos, parce que bah tout simplement il y en a qui le font des fois sinon à ma place, donc autant que je le fais moi-même hein, parce que voilà, j'ai vu des man, ils ont fait des 200k et tout avec des extraits de ma vidéo. Bon en vérité hein, moi je m'en fous hein, mais c'est pour ça que je le fais moi-même, parce que là il y a personne qui le fait actuellement. Mais voilà les frères, dans tous les cas pour la propagande, sachez que c'est toujours bon de riposter des trucs, plus il y a des gens qui voient ce que tu fais, tout ça, bah mieux c'est, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pour ça, on a les petits comptes. Dans tous les cas, bah, si c'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera, donc voilà. Et d'ailleurs, tous ceux qui voient ça là et qui veulent eux-mêmes participer à la propagande, les frères, c'est ouvert à tous. Si vous voulez faire des mèmes, des screens, des trucs, tu fais n'importe quoi, et ben vous pouvez tout simplement, c'est du contenu sur internet. Enfin bref, les frères, bon, du coup, là, ce qu'on va faire maintenant que j'ai posté mon petit contenu du midi, bon, le focus se fait absolument pas, mais là dehors, je peux vous dire qui commence à faire un petit soleil les frères, et moi ça me donne une petite envie, tu vois ce que je veux dire. Tu sais quoi, je vais pas vous spoiler même, tu sais quoi, c'est la surprise les frères, je vais vous emmener dans un petit lieu là tranquille, parce que oh non, on va être beaucoup trop bien les frères, on va être trop bien. Alors quelle paire va-t-on mettre aujourd'hui? En vrai on va partir sur une simple gel Quantum 14 hein, au lieu de me demander la ref les frères. Franchement un modèle sympathique, mais que j'ai beaucoup trop ruiné à faire des conneries avec. Ah, comme là tout simplement on va aller dans la nature, tu vois, c'est un peu ma paire pour aller dans la nature, sauf que de base je les avais achetées pour porter. En plus elles vont vraiment bien avec un jean hein. C'est ma première paire de ASICS. Donc bref, moi je pars sur une paire de ZX et on se retrouve plus tard. Transition ZX, let's go. Oh là là, mais regardez-moi le temps qu'on a, franchement c'est incroyable. Et nous voilà totalement dans cette putain de SKRT mobile les frères, je vais vous emmener là où on va aller tout simplement. Et
voilà les frères, nous voilà sur les lieux tout simplement. On peut dire que là on a tout simplement un bon petit soleil, tu vois, j'ai même pas eu le besoin de prendre mon petit blouson. Il y a un petit vent, ok, ça va, franchement il est pas méchant les gars. Putain, ça c'est le plaisir de la vie ça les frères, et franchement j'espère que vous qui regardez ça vous faites des plaisirs comme ça aussi les frères. C'est vrai qu'on oublie un peu trop de prendre soin de soi, mais genre vraiment soin de soi, tu vois ce que je veux dire, en mode réellement te poser tout seul dans un truc où t'as pas des trucs qui te cassent les couilles, tu vois, t'as rien forcément à penser ou quoi, enfin juste profiter du moment, profiter de ce qui se passe actuellement. Et voilà quoi, moi je vous engage à tous le faire parce que c'est réellement incroyable, regardez. Voilà tout simplement où est-ce qu'on se trouve les frères. Encore un spot plus fou que les autres les frères, c'est n'importe quoi. Non vraiment ici c'est trop stylé. Bon alors par contre je suis en train de voir un truc, ce qui est un peu con quand même, parce que bon de base j'étais venu un peu pour marcher au bord de la mer et tout, mais là les gars le bail, pour ceux qui connaissent pas un peu la mer et tout, on peut voir que toutes les vagues elles sont en train de venir en balle vers nous, et ça veut dire que là l'eau elle est sûrement en train de monter encore plus que ce qu'elle est déjà. Donc là les frères, ça veut dire si moi j'y vais, je me serais fait emporter tout simplement. Oh putain, mais le lieu est quand même incroyable hein. Les frères franchement à chaque fois j'espère vous kiffez les endroits que je vous emmène. Regardez-moi ça, sérieux. Sérieusement, putain. Là, je crois que je vais vous poser en deux spi. Je vais faire mon petit réel, tout simplement, tourner. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. C'est dans la putain de boîte. Donc voilà les frères comment ça se passe. Moi franchement j'aime trop faire ce genre de réel, ce genre de truc. En mode tu filmes comme as un spot et tout, un peu en mode angle de vue cinématique, tout ça. Parce que vraiment en fait t'as l'impression d'être dans un univers parallèle, un bail t'as capté, enfin c'est trop fou. Putain de merde, mais en même temps c'est ce qui se passe devant WAM, tu vois ce que je veux dire. Après je regarde les réels, je me dis mais ça se passait devant WAM. Prenez le temps de cogiter, de vous poser dans ce genre d'endroit. Hop là, il y a un petit monsieur qui arrive avec nous, ça fait plaisir. Mais voilà quoi, juste en gros j'étais en train de dire que bah ça nous met bien quoi. Que non, juste regardez frère, tu vois, tu regardes là. Mais là frère, tu restes je sais pas 5 minutes, 10 minutes, juste tu regardes gros, ça te met dans un truc incroyable. Guette ça frérot, l'ancien il en a rien à foutre, il va braver le truc. Il y a son yinche, il est en train de sep mon gars, il en a rien à foutre, il va pas le suivre gros, eux ils vont se perdre. Beaucoup de gens qui commencent à arriver, donc voilà, moi j'aime bien avoir mon petit spot pour moi tout seul. J'ai pris mon petit temps solo, t'as capté, je me suis posé, J'ai fait mes bails quoi. Putain de merde, j'ai totalement l'impression d'être un ancien en disant ce genre de bail, tu vois. Mais non, c'est sérieux les gars, franchement, tu vois, tu peux avoir 19 ans, avoir conscience sur ce qui t'entoure et tout. Enfin, j'espère en tout cas. Parce qu'à tout moment, je retais mal la vidéo, je sais pas, dans 5-10 ans, et je me dis putain, mais en fait, t'es con frère, tu disais de la D. Bon, je sais pas ce que je raconte, je sais pas où est-ce que ça mène ce que je dis. Tout ce que je sais, les frères, c'est que là, j'ai envie de me téléporter dans un endroit que vous allez pas du tout absolument être prêt à voir. Donc voilà. Voilà, on se retrouve là dans la téléportation, c'est parti, let's go. Hop là les frérots, regardez où est-ce que je suis monté. Je suis monté tout simplement à l'un des petits endroits les plus hauts du coin là, qui est autour de WAM. Donc là comme vous voyez, tout là t'as les dunes qui sont juste devant la mer, tu vois, c'est un peu ça. En gros c'est pour ça que là il y a une barrière, c'est parce que du coup les dunes, bah si elles retombent après c'est la merde. Et donc là je suis tout en haut du bail, tu vois, là on peut voir après tout le reste de la ville. Là-bas il y a une grande forêt énorme qu'on pourra aller visiter un autre jour si vous voulez. Et voilà, après ça continue un petit peu là-bas, il y a un endroit encore plus haut. Franchement, si on veut continuer à s'amuser, on a de quoi faire les frérots. Et là, franchement, c'est incroyable. La chaleur qu'il fait, le temps qu'il fait, c'est parfait les frères. Là, je suis en Jogo Suite, tu vois, en train de marcher comme as dans la nature, gros. Il y a pas de souci, le vent et il y a pas de vent, frère. Non, c'est trop fou. Et là, je suis en train de voir le pélo qui était avec son chien juste avant, là, qui faisait le malin. Et ben, il a vite fait demi-tour, le frère. Ok, là, je suis en train d'arriver, frérot. Ça ressemble plus à... C'est sauvage. Là, sachez, les gars, qu'il n'y a rien de bizarre si je tombe nez à nez avec un sanglier ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, il a sûrement dû se passer des choses plutôt sales ici, hein, vu les traces de pas, vu tout ce qui s'est passé. Putain, non, c'est dommage. Moi, je voulais un petit passage comme as un peu plus ouvert pour que je puisse retourner à la chop en explorant un peu. Mais regarde ça, frérot. Si là, il s'est pas passé des trucs chelous, mon gars. Regarde-moi ça, gros. On dirait, il y a eu des fights de sangliers ou je sais pas quoi, frère. Ah, mais non, c'est des arbres qui sont tombés, en fait. Il y a carrément des arbres qui sont tombés, là. Eh non, c'est n'importe quoi, par contre, les paysages et tout, là. C'est trop stylé, vraiment. Enfin,
ça en tout cas, c'est quelque chose que je fais réellement, tu vois. Genre, j'aime vraiment bien prendre mon petit temps dans la journée où je suis tranquille, je vois mes petits spots et tout. Bon, après, je le fais pas tous les jours parce que, bon, vous savez, il fait pas tout le temps beau, il fait pas tout le temps ça. Si, si, hop là. À la Antoine de Maximi, frérot, je suis là en mode putain de j'irai dormir chez vous, les frères. Là, je cherche une chèvre, je vais dormir chez elle. Voilà. Putain, oh, oh, oh. Eh hey, frérot, je me fais tirer dessus par le vent, c'est n'importe quoi, gros. Il va se calmer. Bon, non, plus sérieusement, les frères, là, on va retourner à la chop parce que je sais que vous voulez pas voir une vidéo full balade. Donc, je vais pas me balader pendant 3 heures, tout simplement. Et donc, voilà, je pense, après, on va tout simplement retourner à la bac. Et puis, on va faire ce qu'on a à faire. Allez, transition manche. Hop là, les frérots. On se retrouve dans cette jeune SKRT mobile. On rentre au bercail les frères et je me suis dit je vais faire un petit timelapse. Hein. Écoute, est-ce qu'on partirait pas sur un timelapse? Eh ben, qu'est-ce qui m'en empêcherait? Ouais, j'abuse pas. Le frère il abuse, on est tranquille là. Ok les frérots, bon on est de retour au bercail, tu connais. Là il est à peu près 14h30 et tout simplement je commence à avoir un petit creux. C'est normal, au bout d'un moment il faut s'alimenter tout simplement. Et en même temps ce que je vais faire, puisque aujourd'hui voilà c'est une petite journée tranquille vu que je tourne en même temps, tu vois. Enfin je peux pas tourner 15 vidéos en même temps, tu vois ce que je vais dire. Du coup ce que je vais faire pendant que je vais manger tranquillement, je vais me guetter un petit film sur la télé, tu vois ce que je veux dire. Hop là, je voulais vous parler de cette plateforme les frères, parce que tout simplement il y en a trop qui vont encore sur Netflix alors qu'il y a des putains de films disponibles sur ce genre de trucs. C'est plus des films indépendants ou genre d'auteurs, tu vois. Donc ça va être plus des trucs, ça va pas être en mode des films d'action, Fast and Furious, Bang Bang, je sais pas quoi, tu vois. Ça va plus être des trucs psychologiques, ce genre de trucs et tout, mais c'est vachement intéressant. Enfin, ça aide vraiment à se plonger dans le vrai cinéma, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, il y a des pépites, frérot, putain de merde, ça, t'as le cerveau retourné, mon gars. Ok les frères, bon là il est à peu près 16h les frérots. Comme je vous disais, j'ai reçu le petit colis que j'attendais. Bon là vous savez pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, moi je sais déjà hein. Vu la taille du carton, je pense qu'on peut déjà commencer à se situer un peu les amis hein. Pour tous mes jeunes sneaker addicts, vous allez reconnaître un peu ce qui se passe. Les gars, j'ai tout simplement chopé une paire d'une marque que je n'aurais jamais pensé, les amis. Si vous voulez que je vous dise un peu, pour ma part, j'ai été très grand porteur de Nike dans toute mon adolescence, jeunesse, tout ça. Et c'était peut-être un peu bête comme choix en vrai de se limiter à ça, mais bon, à l'époque, j'étais plus jeune et nique sa mère. Mais sauf qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique de nique sa mère la marque, tu vois. Plutôt, je porte ce que je kiffe vraiment, tu vois. Et du coup, bah, ça veut dire que ça m'amène à acheter des fois des paires de Salomon, ce genre de trucs. Tu sais pas, mon gars, tu vois, à tout moment, je pars faire une rando ou alors je vais en lifestyle, j'en te bois frérot. Enfin bref les amis, on va s'ouvrir ça ensemble. Vous voyez en premier, hop là, attention, est-ce que c'est un... Oh là là, oh c'est un banger, oh c'est un... Oh putain c'est un banger. Oh là là, non franchement c'est hardcore. Putain mon vieux. Ah ouais, ça c'est des paires frérot. Putain, franchement j'ai même pas moi-même l'habitude de porter ce genre de paires techniques, tout ça, tu vois, avec plein de trucs comme ça, tu vois. Même une paire de Salomon à la base, enfin j'aurais jamais pensé les frères, je vous avoue. Moi à la base mon kiff vraiment c'est des classiques comme je sais pas une Air Max One, des Jordan, tout ça. Alors, quand j'étais petit ouais c'était vraiment encore plus même Jordan, j'étais vraiment à fond dans ça. Et voilà, je sais pas maintenant aujourd'hui, je suis pas mal attiré par ce genre de modèle un peu des trucs qui change clairement de ce que tu vois d'habitude. Voilà, pour ceux qui veulent la rêve, c'est tout simplement Salomon ACS Pro, les frères. Voilà, en blanche, tout ça. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les frères, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler sneakers sur cette chaîne. Bon, je vais pas faire les choses à moitié, les frères. Je vais vous faire un petit plan porté. Attention, est-ce qu'on se transforme en Vincé ou quoi, là? En tout cas, quand même, les petites particularités physiques que vous pouvez voir sur la paire, déjà, regardez.
Et donc là, ils sont en train de dire que, en gros, avec ça, apparemment, c'est un truc auto-lassant. Donc ça marche comme as, apparemment. Je sais pas trop. On va voir ça après. Mais c'est lourd, en tout cas. Enfin, moi, je kiffe, franchement. Tu vois, je suis pas du tout à avoir des paires comme ça et tout. Tout que je fais du 45, frérot. Tu vois, je pense que ça fait un bon panard. Mais bon, on va essayer ça, frérot. Non, franchement, la paire, elle est grave cool. Je trouve qu'elle passe grave bien avec un petit jean. Tu vois, c'est posé. Et en plus de ça, ça, c'est le côté technique que j'aime beaucoup. C'est que t'as un petit peu des surprises juste au-dessus de la paire. Là, vous avez juste à guetter sous la semelle et il y a une petite place. On peut caler des 10 balles sans pression, les frérots. C'est une dinguerie. Dans la paire, tu peux cacher ton bail. Donc, c'est carré, les gars. Je savais même pas en plus en l'achetant. Donc, c'est trop fou. Cette paire est giga validée. Ok, les frères. Bon, là, je suis de retour. Il est à peu près 17h, les frères. Et je viens de voir un truc sur TikTok. Vous vous rappelez le TikTok qu'on a posté ce matin? Je vous disais, je suis tout le temps mal, les frérots. Hop là, qui c'est qui a eu un TikTok de supprimer encore une fois? C'est Bibi. On est habitué, les frères, c'est pas grave. Bon, là, du coup, je suis toujours sur le compte SKRT Propaganda, les frères. Donc, je vais repartager un petit extrait d'une vidéo. Là et voilà la team. Bon, depuis tout à l'heure je suis en train de galère, mes vidéos publiées c'est bon. Du coup moi les frères, ce que je voulais faire sinon à part ça, je voulais tourner un petit réel pour Gaz Nation. J'avais une idée, là c'est l'idée, là c'est quand l'idée elle émerge, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué de la mettre en forme. Du coup ce que je vais faire, je pense je vais vous poser dans un coin, je vais essayer de cogiter à tout ça et puis voilà. Ok les frérots, bon voilà, maintenant le réel est totalement tourné les frères. Bon, vous avez vu, pour les artifices j'ai utilisé un gîte CBD, ça reste entre nous les frérots. Non, plus sérieusement, vous savez, moi personnellement depuis que j'ai fait ma pause et tout, rouler un gîte direct, enfin ça m'explose réellement, tu vois. Donc pour un truc comme ça où je dois rester un peu concentré, c'est pas mal quand même un petit gîte CBD, tu vois. Bon, du coup je vais en profiter pour continuer avec la réalisation de ce que je faisais, parce que en fait finalement le réel c'était plus une idée de bam, j'appuie, enfin je fais ça, tu vois, ça fait apparaître les objets. Donc là normalement je reviens, il y a la lumière du jour qui revient et toutes les lampes LED là qui me donnent chaud sont enlevées. Hop là, et je sais pas si ça a fonctionné parce que bah tout simplement c'est une vidéo, j'ai bougé et tout, c'est plus compliqué. Enfin bref, du coup là ce qui me reste à faire une fois que mon réel est tourné, c'est tout simplement le montage des frérots. Donc bon, ça c'est sur le bigot, hein. Moi je suis pas du tout habitué de base, hein. Je suis clairement un gars du PC en mode voilà, moi pour moi si tu veux faire des vidéos de la bonne qualité tout ça, faut vraiment être sur bigot, enfin sur PC plutôt. Et bah non, il y a des pélos qui l'ont prouvé que sur bigot ça marche très bien, donc c'est fort, bien joué à vous. D'ailleurs, il est pas dégueulasse le CBD, tu vois, franchement. Ok, bon, là, les frérots, le réel, il va être posté, tout simplement, là, pour vous dire, niveau heure, il est 18h06. On va dire, j'ai mis à peu près 20-30 minutes à faire le réel, tu vois, donc en vrai, ça va, c'est tranquille. Les amis, ce qu'on va faire après, je pense que je vais tout simplement me poser avec mon vrai Bédo, tu connais, sous chill et tout, donc voilà, je sais pas comment on va faire ça. Là, je vais me poser un peu sur le bigot, continuer, enfin, poster le réel et tout, tu vois. Ok, les frérots, bon, là, je suis de retour, il va être 19h bientôt. Les gars, je vous reprends tout simplement parce que j'ai eu une bonne nouvelle les frères, j'ai commandé un logo il y a pas si longtemps que ça, enfin bref, un nouveau logo pour la chaîne, tout ça pour vous faire peut-être du merch, des trucs avec peut-être. C'est pour ça, je suis très content de l'avoir enfin reçu les frères. Mais en tout cas voilà à quoi ça ressemble. Oh là là, en vrai je suis un connard, hein. Je suis en train de penser, j'aurais pu vous l'afficher directement au montage, mais bon, au moins là on l'a vu directement et franchement les gars c'est incroyable. Imaginez juste, tu vois, si on le fout sur un grinder ou un truc comme ça, franchement ça serait beaucoup trop propre, je pense. Enfin bref les amis, je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis le début de la vidéo pour les plus gazés d'entre vous, tout simplement le moment où le jeune SKRT va s'allumer. Alors pour l'instant je vous avoue, j'ai même pas forcément une grosse envie de bédave ou quoi, tu vois, enfin là ça va, en vrai je peux encore tenir une heure ou deux ou je sais pas. Donc du coup les frères, ce qu'on va faire tout simplement, bah je vais vous reprendre au moment où ça va aller se gazer, tu vois, je vais aller me poser tranquillement dans le canapé, t'as capté, et on va faire ce que j'ai à faire tout simplement. En attendant, moi ce que je vais faire, je pense
pense que je vais déjà commencer à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme ça, t'as capté, on s'avance et tout, tu vois, toujours au max. Ok, ok, les frérots, bon, du coup, je vous reprends. Il va tout juste être 20h, les gars. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? J'ai fait un peu de montage. J'étais aussi en train de guetter au niveau du merch et tout. Les frères, c'est en train d'avancer. Ça va être une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Ça va vous sortir et les autocollants SKRT, déjà. Toi-même, tu connais déjà, c'est sûr et certain, les frères, il va y avoir de nouvelles couleurs, des couleurs exclusives, des trucs, vous inquiétez pas, ça va faire des designs de baiser, les frères. Je vais me choper un petit Fanta Grape, tout simplement, dans le stock, les frères, il y a ça de dispo direct, ça fait plaisir. Et je vais me poser aux commandes, tout simplement, et je vais faire ce qu'il y a à faire, quoi. Je pense qu'on va faire ça en timelapse, tu connais, parce que, bon, la vidéo, elle va pas durer 1h30. Allumé comme par hasard, la caméra elle se coupe à chaque fois qu'il est fini le bail. Enfin bref, c'est pas grave. Ouh, je vais me retourner, me poser dans le canapé. Je vais allumer ça tranquillement, les frères. Ah oui, et d'ailleurs, au niveau de l'heure, tout simplement 20h16. Voilà, premier J de la journée. En vrai, c'est plutôt pas mal quoi. On aurait pu penser que j'ai travaillé. Maintenant, frérot, j'ai tout simplement fait mes occupations de la journée avant de me gazer. Alors que si je me serais sûrement gazé le matin, j'aurais sûrement fait la moitié des choses que j'ai fait. Enfin voilà, les frérots, après l'effort, le réconfort. Moi je vais aller me poser. Frérot, du coup, je pense qu'on va se retrouver un petit peu plus tard dans la soirée. Peut-être quand je rallumerai un autre bail, peut-être quand je roulerai un autre truc ou quoi, tu vois. Là, sinon, moi, ce que je vais faire en général, là, à cette heure-ci, c'est moment plus détente, tu connais, je me calme devant les vidéos. Souvent, je guette un film après, je vais graille aussi, quand même, il faut. Enfin, voilà, quoi, ça se pose, tu connais, c'est le soir, comme la débauche, un peu. Donc, en vrai, il n'y a rien de grand intéressant à filmer, à part moi, à faller sur le canapé, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça, on se retrouve un peu plus tard, les frères. Let's go. Hop là, transition chinoiserie, les frères. Bon, du coup, là, il est 22h, je suis un peu gazé, les frères. Je vous avoue, j'ai même pas fini mon bail. Je fais quelques petits trucs à graille, tu connais. Puis voilà, hein, ça va continuer de chill, tout ça. On continue la soirée tranquillement. Hein. Bon les frérots, là actuellement il est 22h30, là j'ai dû mettre des bails sur le PC et tout, des extraits, des rushs et tout parce que il y avait plus de place. Donc du coup voilà, c'est là qu'on se retrouve les frères, 22h30, je pense qu'on va se gazer un petit peu. Je sais même plus à quelle heure je l'ai roulé déjà, en vrai je crois j'ai dû comment, enfin je l'ai dû le rouler, il devait être 20h, un truc comme ça, je sais plus. Peut-être 20h30, je l'ai pété. Enfin bref, comme quoi les J me font vraiment 3h et tout les gars, c'est totalement réel. Ceux qui veulent la strain d'ailleurs les gars, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Ah oui les frères, c'est tout simplement un Sunset Sherbet de chez Terps Farm. Ferme qui est apparu très récemment, j'ai écouté que quelques dries de celle-ci, donc voilà, c'est sympathique, ça va. Ça c'est ce qu'on appelle une bonne review à la SKRT mon gars, c'est sympathique. Franchement les frères, on a passé quand même une bonne journée les gars, plutôt productif et tout, on a fait pas mal de trucs. Comme ça au moins vous avez vu le vrai visage du SKRT, enfin qu'est-ce qui se passe en une journée et tout, qu'est-ce que je fais. Voilà, pour montrer réellement que je me gasse pas la journée les gars, c'est le soir, on se fout tranquille, tu vois ce que je veux dire. Et puis les J durent longtemps, tu vois, donc c'est carré. Les frères, je vais vous reposer, je vais vous faire un petit plan sympathique, vous allez kiffer, on se retrouve juste après. Et là les frères, je viens de finir le bail, ça m'a totalement éteint. On va se reprendre plus tard, je sais pas quand, mais quand je ferai un truc un peu plus productif. De toute façon, je vous refilme ça, si je vous roule un bail et tout, je vous ferai un petit truc. Vous inquiétez pas les frères, bon allez, à plus. Hop.
peu là, les frères. Meilleure transition. Bon, là, du coup, les gars, il est minuit 43. On va prolonger le gaz, malheureusement. Les gars, si tous ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent un peu baisser leur consommation et tout, vraiment, évitez le J que je vais reproduire. Reproduisez pas ça chez vous, les frères. Non, sérieusement, on rigole, les frères, on parle sérieux, mais vraiment, évitez les J à tout va et tout. En vrai, j'aurais pu me limiter à un J aujourd'hui, même pas du tout, en vrai, je pense. Mais bon, on est là pour le contenu, les frères. Je sacrifie mes poumons pour vous, les frères, c'est bon. Bon, les frères, je vous récupère. Je suis totalement dans le gaz, là, je vous avoue. J'ai roulé un petit ice cream cake Runs de chez Blue Magic Patron. Les premium frozen, là, c'est quelque chose, vraiment, t'as l'impression de bédave de la Cali, frère, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est un régal, les frères. En tout cas, ce petit vlog, les frères, j'espère que vous avez apprécié cette journée accompagnée avec WAM. Je pense qu'on va mettre un terme à cette vidéo, parce que là, tout ce qui va se passer, c'est l'extinction du SKRT, tu vois ce que je veux dire. Je vais m'éteindre, et je suis pas encore assez pro pour me filmer toute la nuit, tu vois. Donc peut-être un jour, concept. Bon, les frères, en tout cas, moi j'ai trop kiffé cette journée. Franchement, c'était lourd. On a fait pas mal de trucs et tout. Au moins, vous avez vu ce que je fais de mes journées, tu vois. Ça fait du contenu, ça sort, ça fait des trucs. Pour vous dire un peu l'heure qu'il est, là, il est 1h12. Et en gros, moi d'habitude, je vais me coucher, je sais pas, vers 3h, 2-3h en vrai. J'essaye de pas trop abuser quand même. C'est que j'aime bien, tu vois, passer du temps le soir, guetter des trucs et tout, veiller et tout ça. C'est un délire, tu vois. C'est autre chose que la journée. Donc voilà, c'est des petits kiffs, tu connais. Enfin bref, en tout cas, les frères, pour l'instant, vous connaissez les abonnements, les likes, les commentaires, tout ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les frères. N'hésitez pas à partager, surtout. C'est vous la propagande, les frères. N'oubliez pas. Et sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao, bye, Simer. Putain, gazé celle-là. Aïe, c'est le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Aïe, c'est le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, je suis frais, c'est rebelle, jette.